Citoyens du Nord Kivu, en rapport avec la précarité de la situation sécuritaire dans les territoires de Masisi, Rutshuru, Nyiragongo, en présence des contingents de l'EAC adressés au commandant de la force régionale, ont pris le courage au prix du sacrifice suprême de reconquérir les espaces qui sont les leurs, les nôtres, sous occupation. Non seulement vous ne leur prêtez pas main forte, mais vous constituez un blocage systématique pour ces jeunes patriotes congolais, ce qui ne leur permet pas d'avancer pour libérer nos compatriotes des souffrances atroces endurées depuis leur prise en otage par l'ennemi et faciliter le retour de ceux qui sont dans les camps des déplacés à Goma et ses périphéries. Grave encore, vous facilitez, voire même sécurisez l'infiltration de l'ennemi sur notre territoire. Cet acte est de nature à favoriser la balkanisation de notre pays par la force régionale de l'EAC, ce qui est inacceptable. Et regard à ce qui précède, nous, la jeunesse de Goma, réunie au sein du Conseil de la jeunesse, mouvement citoyen, ligue des jeunes, des confessions religieuses et associations des jeunes, conscients que la paix dans notre pays ne viendra ni de l'Occident ni de l'Orient, mais de notre prise de conscience et de responsabilité, venons vous avertir pour la dernière fois de l'attitude que nous allons adopter à votre égard si vous ne vous ravisez pas. Nous vous accordons une semaine, soit jusqu'au 26 octobre 2023, pour observer le comportement de vos hommes sur les lignes de front. S'ils s'entêtent, ils nous obligeront à multiplier des actions de grande envergure contre vos équipes en ville pour vous contraindre de vous retirer de notre pays, et nous ne nous arrêterons pas jusqu'à ce que vous partirez. Les degrés de... que l'EAC a filé les sols congolais pour venir combattre l'M23. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore des avancées. Ils ne font que le tourisme, ils ne font que jouer les jeux de l'ennemi. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement congolais, dans les mesures des nécessaires, de faire tout ce qui est possible pour que l'EAC rentre au CG. Vous accusez les forces de l'EAC de violer le Congolais à Rutshuru et dans le Masisi. Avez-vous de preuves par rapport à ces accusations? Oui, il y a des preuves, puisque jusque-là, il y a des jeunes volontaires, volontaires patriotes qui sont en train de combattre l'M23. Mais ils s'est observé d'ici, dans peu de temps, ils s'est observé des arrêts au combat. L'EAC n'a fait qu'obéir aux lettres des États-Unis qui a voulu demander au gouvernement congolais de faire les dialogues avec l'ennemi. Pour demander le départ de l'EAC, parce que vous êtes sans ignorer que nous tous nous sommes des enfants de votre famille. L'EAC constitue un blocage à nos jeunes ressortissants qui sont en train de recouvrir les espaces. Nous avons manifesté, nous avons déposé notre élément entre les mains du commandant de cette force pour lui donner un délai d'une semaine afin de s'exécuter, faute de quoi nous allons devoir initier les actions de grande envergure qui vont pousser l'EAC à se retirer de lui-même sur le territoire congolais. Voilà. La réponse du commandant de l'armée, qu'est-ce que ça vous fait? De toute façon, nous disons bien que c'est une semaine. Nous osons espérer qu'ils vont s'amender, ils vont s'exécuter, ils vont devoir combattre l'ennemi sur les chars à débattre. Merci beaucoup. Venant de vos associations, représentées par vous-même, en ma qualité de commandant second, représentant le gouvernement congolais au niveau militaire dans cette force,
je voudrais vous dire ceci. Un, les forces de l'EAC sont arrivées ici. N'eût été cette force au niveau de l'axe de Kibumba, Kanyamaoro, vous avez été sur terrain, vous m'avez vu sur les bombes à Kanyamaoro, France 24 vous étiez là, Al Jazeera vous étiez là. N'eût été ce jour-là notre présence pour réoccuper et dire chasser le M23 de cette colline de Kanyamaoro, Goma ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui comme ville. Oui, oui. Nous multiplions les efforts, ok. Nous n'avons pas souvent la capacité de communiquer ici, parce que ici c'est au niveau militaire. La communication c'est au niveau politique à partir de Arusha, où il y a le secrétaire général. Nous comprenons la souffrance. Moi-même, je suis aussi congolais. Oui, oui. Nous comprenons la souffrance et nous sommes en train de travailler pour ça. Pour qu'on diminue cette pression sur la plupart de nos entités. Vous avez vu comment les forces loyalistes sont arrivées à Mouchaki. On doit libérer. Bissimo. On doit libérer. Bissimo. Les partis doivent libérer. Rujaka. Les partis doivent libérer. Rujaka. Les partis doivent libérer. Se transforme aujourd'hui en ennemi de la République. Nous nous sommes dit, on doit dire à ces gens de quitter les terres congolaises le plus tôt possible. Indication à Vijana et à Goma et à Kulomba et à Seyende. Nami niko kati ya Vijana wa Goma kusema baende. Ni kweli umefurahishwa na hii revendication banatia mu memorandum yabo? Mimi nafurahi sana na mimi naongeza 2 kilo. Sasa ikiwa habaende wewe kama mkaaji wa Goma utajihisi je ama na wewe utafanya je? Au mwe Mungu anakia ananikamata mimi nakufa wala unachipatia kwa zoni kufa niende tu. Accent. Sina bieni kwa nafahamu Kongo ndugu yangu wote wanaisha jua batiku. Accent. Indication à Vijana et à Goma et à Kulomba et à Seyende. Nami niko kati ya Vijana wa Goma kusema baende. Ni kweli umefurahishwa na hii revendication banatia mu memorandum yabo? Mimi nafurahi sana na mimi naongeza 2 kilo. Sasa ikiwa habaende wewe kama mkaaji wa Goma utajihisi je ama na wewe utafanya je? Au mwe Mungu anakia ananikamata mimi nakufa wala unachipatia kwa zoni kufa niende tu. Accent. Sina bieni kwa nafahamu Kongo ndugu yangu wote wanaisha jua batiku. Accent. Comme tout Congolais qui se respecte, aucun Congolais ne peut pas soutenir la force de l'EAC à la République démocratique du Congo au vu de ce qui se passe sur le terrain. Les M23 sont là, nous on croyait que l'EAC était venu pour nous aider à finir avec les M23. Mais notre surprise est que depuis que l'EAC est là, les M23 continuent à occuper le même village, le même groupement qu'ils occupaient avant l'arrivée de l'EAC. Et pour nous, nous nous disons, il est temps que l'EAC puisse rentrer chez eux, parce qu'ils ne font rien dans notre pays. Vous êtes défenseur des droits de l'homme, il continue à s'observer les arrestations des manifestants en ville de Goma après le carnage du 30 août dernier. Qu'est-ce que vous dites en tant que défenseur des droits de l'homme? Nous, en tant que défenseurs, on ne peut pas cautionner qu'il y ait des arrestations quand quelqu'un manifeste. Parce que vous savez, notre constitution est claire. Et à son article 36, la liberté de s'exprimer est garantie. Donc, toute personne qui s'exprime, il ne doit pas être arrêté. Et c'est pour cette raison, à notre niveau, nous demandons aux autorités de bien vouloir libérer tout.
toutes les personnes arrêtées parce qu'ils ont manifesté et de finir avec cette pratique d'arrestation arbitraire pour des personnes qui manifestent. Comme tout Congolais qui se respecte, aucun Congolais ne peut pas soutenir la force de l'EAC en République démocratique du Congo au vu de ce qui se passe sur le terrain. Les M23 sont là, nous on croyait que l'EAC était venu pour nous aider à finir avec les M23. Mais notre surprise est que depuis que l'EAC est là, les M23 continuent à occuper le même village, le même groupement qu'ils occupaient avant l'arrivée de l'EAC. Et pour nous, nous disons, il est temps que l'EAC puisse rentrer chez eux, parce qu'ils ne font rien dans notre pays. Vous êtes défenseur des droits de l'homme. Il continue à s'observer les arrestations des manifestants en ville de Goma après le carnage du 30 août dernier. Qu'est-ce que vous dites en tant que défenseur des droits de l'homme? Nous, en tant que défenseurs, on ne peut pas cautionner qu'il y ait des arrestations quand quelqu'un manifeste. Parce que vous savez, notre constitution est claire. Et à son article 36, la liberté de s'exprimer est garantie. Donc, toute personne qui s'exprime, il ne doit pas être arrêté. Et c'est pour cette raison, à notre niveau, nous demandons aux autorités de bien vouloir libérer toutes les personnes arrêtées parce qu'ils ont manifesté et de finir avec cette pratique d'arrestation arbitraire pour des personnes qui manifestent. Manakera, on a soutenu la Baba Jeune, mais pas qu'on a l'homme de Père. Les actions vont être transmises au haut niveau. Et si nous sommes au niveau de la force, on va transmettre chez les facilitateurs à Nairobi, on va transmettre chez le secrétaire général de l'EAC à Arusha pour avoir initié. D'ici là, il y aura des réunions pour tabler sur cette situation. Est-ce que ces accusations sont fondées selon vous? Quelles accusations? Que nous avions attendu, on a acquis la force régionale de l'EAC de collaborer avec l'ennemi. Je te retourne la question, toi tu dis quoi? Toi-même tu dis quoi? Je te retourne la question. En général, c'est moi qui pose la question au journaliste. Ça, ce sont les revendications de la population. Vous êtes journaliste et vous dites quoi? Moi, je n'ai pas de réponse à ça. Merci, mon général. Donc, il faut rien, ça fait presque une année qu'ils sont là, il ne faut rien. Alors, nous, comme population, on aimerait assez qu'ils sortent et que notre armée puisse faire ce qu'il. Donc, vous êtes pour ces revendications des jeunes? Mais oui. Nous sommes pour ces revendications, c'est ce que nous plaidons chaque jour. Nous avons besoin qu'ils partent et que notre armée soit réformée et qu'ils fassent leur travail. Et comment vous trouvez le travail de ces jeunes patriotes qui combattent jour et nuit le rebelle du M23? Non, je les encourage. Je les encourage pour tout le monde. Qu'il aille de là-bas, qu'il aille de là-bas. Mais ils sont distraits par notre gouvernement parce qu'ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. Ils sont distraits. Merci. Demander le départ de l'EAC parce que vous êtes sans ignorer que nous tous nous sommes des enfants de votre pays. L'EAC constitue un blocage à nos jeunes ressortissants de notre qui sont en train de récupérer les espaces. Nous avons manifesté, nous avons déposé notre élément entre les mains du commandant de cette force pour lui donner un délai d'une semaine afin de s'exécuter, faute de quoi nous allons devoir initier les actions de grande envergure qui vont pousser l'EAC à se retirer de lui-même sur le territoire congolais. Voilà. La réponse du commandant de l'armée, qu'est-ce que ça vous fait? De toute façon, nous disons bien que c'est une semaine. Nous osons espérer qu'ils vont s'amender, ils vont s'exécuter, ils vont devoir combattre l'ennemi sur les champs de bataille.